Bonjour, nouveau livre pas commun, parce que ben, j'ai adoré, mais en même temps c'est un petit livre fantastique qui s'adresse aussi bien aux grands qu'aux jeunes publics. Quand je dis jeune public, c'est plutôt ado par là. C'est très beau livre. Le Scarabée bleu. Alors déjà j'ai beaucoup aimé, moi c'est un peu le titre et la couverture qui m'ont interpellée. J'ai trouvé ça très sympa. Et en même temps l'histoire se passe sur la terre d'Afrique, donc évidemment ça m'a parlé aussi. Alors l'auteur, c'est Emmanuel Jappert, qui est dans une première partie de sa vie qui est dans la communication et le marketing, et qui aujourd'hui partage son temps beaucoup avec des romans et des essais. Et en plus, elle est tellement passionnée qu'elle partage aussi et qu'elle crée des ateliers d'écriture. Donc c'est juste génial quand on est passionné à ce point-là. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est la première fois que je lis cet auteur. C'est très bien écrit, écoutez, elle vous transporte. L'histoire commence au Maroc. On va entre le Maroc et l'Égypte. Et franchement, quand on est au Maroc, alors on est entre le désert et la ville, hein, puisque ça se passe au début dans un petit village. Et puis après, notre héroïne Anisha s'en va à Marrakech. Et là, c'est fantastique parce que vous êtes à Marrakech, quoi. Vous sentez les épices sur les étalages, vous entendez les bruits du souk et toutes les toutes ces vibrations, tous ces chants, toutes ces paroles qui s'en mêlent, les personnages hauts en couleur, vous les voyez complètement, ils sont devant vous. Alors, je sais de quoi vous parle, de quoi je vous parle, j'étais beaucoup au Maroc. Et franchement, on est vraiment transporté dans ce pays-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a beaucoup plu. Et puis l'histoire, mais l'histoire, c'est l'histoire du scarabée bleu. Donc, ce scarabée bleu, il a une particularité. Il parle. Et donc, notre héroïne, Anisha, va découvrir ce scarabée bleu qui lui parle et qui lui permet de découvrir toutes les richesses. Au fur et à mesure que l'histoire avance, elle va avoir des aventures et elle va découvrir ce qui se cache au plus profond d'elle et ce qui fait sa force et qui elle est réellement. Et ça, c'est juste fantastique. Évidemment, il arrive des choses pas forcément sympas non plus. Mais écoutez, c'est un roman qui vous emporte, ça se lit, moi je l'ai lu, j'ai adoré, franchement je l'ai dévoré aussi, c'est juste fantastique. Et beaucoup d'enseignements dans ce livre. Alors en voyage, on a des enseignements, quoi de mieux pour passer un bon moment? Rien. Donc si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas, c'est juste génial. Profitez, partagez, likez. Et puis vous verrez, l'histoire est fantastique. Vraiment, c'est très très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et en particulier, je trouve aussi aux ados. Et ça, je trouve que c'est sympa. Pas beaucoup de livres qui parlent pour les ados. Voilà, je vous laisse le découvrir parce que moi, j'ai carrément adoré. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bye bye!